Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo formation un petit amusement de ma part où je vais coupler dans une recherche V une recherche H. Avant de commencer cette vidéo formation, je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo formation sur la recherche V afin de maîtriser toutes les subtilités et rouages de cette fonction qui est assez complexe quand même dans son utilisation. Alors, concrètement, qu'est-ce que je veux? Ici, dans cette feuille, j'ai un tableau avec des vendeurs. Et ici, j'ai noté les mois de janvier jusqu'à décembre. Et ce tableau est vide et je dois le remplir par des primes. Primes qui se trouvent ici dans un deuxième onglet, tableau primes. Voilà, où je retrouve, je retrouve toujours mes vendeurs. Et je retrouve des primes. Alors attention, il y a plusieurs types de primes. Vous voyez, j'ai mis des couleurs justement pour qu'on puisse bien remarquer que j'ai des primes A, B, donc en bleu, en orange. De temps en temps, j'ai une prime C. Et j'ai même tout au fond, ici, j'ai mis au mois de décembre, une prime D en jaune. Et moi, ce que je souhaite récupérer, c'est le total. Donc ici, pour par exemple François, mois de janvier, le total, c'est 20. Pareil au mois de février. Et par contre, au mois de mars, ça passe à 30. Donc ici, concrètement, je devrais marquer 20, 20 et 30. Alors plutôt que de le faire manuellement, parce que là c'est encore un petit tableau, imaginons que j'en aurais un beaucoup plus complexe, dans un premier temps, je vais me dire, tiens, je vais utiliser ma recherche V. Et là, on va voir que la recherche V, quand même, a une certaine limite, et que je peux me faciliter les choses en utilisant une recherche H, en modifiant légèrement mon tableau. Donc, on va commencer par faire cette recherche V. Alors, je me mets dans la cellule où je veux ici mon résultat, ma recherche. Je vais mettre égal pour passer en mode calcul fonction. J'ai dit recherche V, donc je vais commencer à saisir. Et je vois déjà qu'il me propose ici recherche V. Donc je double-clique gauche sur recherche V. Et j'utilise l'assistant fonction afin de me faciliter la saisie. Donc FX. Alors, concrètement, qu'est-ce que je recherche? Ce qui va me permettre de trouver la prime, c'est le vendeur. Donc je vais rechercher le vendeur. Alors, déjà pour me faciliter et éviter toute erreur, on va déjà commencer par bloqué, parce que si je regarde, quand je vais recopier, eh bien moi ce que je souhaite, c'est que je sois toujours François, mais quand je vais passer en dessous, donc en A4, Nathalie en A5, Katia en A6, Jacques en A7. Donc ça fait A4, A5, A6, A7, et on voit que je dois toujours rester sur la colonne A, donc je vais bloquer avec un dollar la colonne A. Je vais chercher dans quelle table? Eh bien je vais chercher dans le tableau prime et je vais chercher François. Et je mets déjà 2 dollars pour éviter tout souci lors de mes recopies. Index de colonne. Donc l'index de colonne, on va aller voir. Une fois que j'ai trouvé François, donc c'est en colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Donc il doit aller chercher le résultat en numéro de colonne 4. Donc je lui mets 4. La valeur proche, je vais utiliser faux car je souhaite trouver la correspondance exacte. Et vous voyez que j'ai déjà le résultat 20. Je fais OK. Donc je peux déjà descendre. Je remets la petite barre en bas. Et je suis en colonne 4. Et si j'ai envie, je peux utiliser une petite astuce que j'utilise des fois, c'est que je mets 4 ici. Et je vais calculer pour février, donc ça fait 4, 5, 6, 7. Pour février, je mets 7. Et le mois de mars, on va s'arrêter là. 7, 8, 9, 10 et 11. Et je mets 11. Et du coup, ici, dans ma petite formule, je vais enlever le 4. Et je vais utiliser ici. Et en mettant 1 dollar devant le 9. Voilà. Et on voit bien que j'ai 20. Et si j'arrive et que je fais une recopie, j'ai bien 20, 20 et 30. Si je vais voir, je passe bien de 20 à 20 à 30. Donc je pourrais utiliser ce petit système. Et après, bien sûr, ce que je peux faire, c'est de masquer ici. Voilà, ma ligne. Ça serait une solution. Autre solution possible, c'est justement de se mettre avec une recherche V. Alors, je vais réafficher. Voilà, donc ça, je n'en ai pas besoin.
je l'efface, ça j'efface, ça j'efface, donc je retourne ici et ma valeur cherchée ici, voilà. Bien, alors concrètement, qu'est-ce que j'ai besoin de rajouter? Eh bien ici, on va faire un petit système déjà pour qu'il puisse retrouver la colonne, donc retrouver que c'est cette colonne. Ce que je vais faire, c'est ici, je vais rajouter une ligne et je vais mettre que janvier c'est 1. Voilà, je vais recopier jusqu'à décembre. Je vais incrémenter ma série. Voilà. Et donc comme ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Et ici, je vais dire, bah, c'est la prime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Donc quand je vais utiliser ma recherche V, donc qu'est-ce que je vais rechercher ici? Le numéro qui correspond au mois, il va le trouver. Et par contre, il doit aller me chercher ici l'info en ligne, soit 5, 6, 7, 8, 9. Alors, on va utiliser aussi une petite subtilité pour la recherche ici, puisque je dois lui indiquer le numéro de colonne. Et ce qu'on va lui faire, c'est que je vais rajouter encore une ligne. Et je vais lui indiquer ici le numéro de colonne. Alors, pour avoir le numéro de colonne, je vais utiliser une fonction qui s'appelle colonne, vous voyez, qui renvoie le numéro de colonne d'une référence. Donc, voilà. Et je fais égale colonne. Et je fais entrée. Et je suis en colonne 2. Et je vais comme ça aller jusqu'à la fin. Voilà. Et je vois ici que je vais jusqu'en colonne 38. Et maintenant, je retourne dans mon tableau, dans ici FX. Et je vais modifier donc ici le numéro d'index de colonne, j'enlève. Et je vais utiliser ma recherche H. Dans ma recherche H, concrètement, qu'est-ce que je vais rechercher? Ben, je vais rechercher ici le numéro du mois. Et je vais utiliser déjà, on voit que je vais passer de B4 C4, D4, E4, je vois que je dois rester toujours sur 4, donc je vais y mettre un $. Point virgule. Je vais le rechercher dans quel tableau ce numéro? Maintenant le tableau prime. Et je vais le rechercher ici. Donc, je vais sélectionner. Voilà, jusqu'au mois de décembre. Et je vais mettre des $. Déjà pour préparer à la recopie. Point virgule. Ensuite, donc j'ai fait la valeur cherchée, table matrice, numéro d'index de ligne. Ainsi, je vais voir dans mon tableau ici. Une fois qu'il a trouvé donc janvier, il doit descendre dans la ligne 2. Donc je vais lui mettre ici 2. Point virgule. Et ce que je recherche, ben je vais mettre faux pour éviter tout souci. Et je fais, vous voyez qu'il a déjà trouvé 20, je fais entrée. Et maintenant, on va voir si, quand je descends, si mon tableau fonctionne. Oui, je vais mettre la petite bordure, voilà. Et maintenant, je repars sur le côté. Voilà. On va vérifier si c'est juste. Donc on va prendre par exemple le mois d'octobre. Donc ça fait 10, 20, 30, 40. Je vais aller au mois d'octobre.
10, 20, 30, 40. Je prends le mois de décembre, 40, 80, 120, 160. 40, 80, 120, 160. Donc j'ai bien réussi à faire ça. Donc je vous remontre la formule. Donc voici ici, égale recherche V de l'A à 5, tableau prime, de A3 jusqu'à A9, avec une recherche H, B4, tableau prime, de B4 jusqu'à AL5, de faux, faux. Je vous mets là, afficher les formules. Voilà, et je vais agrandir. Voilà, afin de voir, voici pour janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je reviens en normal. Voilà. Je remets mon tableau à la bonne taille. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement ici cette ligne, je vais la masquer. Voilà. Et je vais dans mon tableau prime. Et je vais faire de même avec la ligne, avec les numéros de colonne, ici. Et je vais la masquer. Voilà. Et ainsi, c'est beaucoup plus présentable. Et j'ai une fonction ici qui m'a permis de faire une recopie de tout mon tableau en vertical, en horizontal. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo formation sur Excel.